Eh bien salut les amis, c'est Carmen, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour, eh bien c'est maintenant que je perds le fil des épisodes. On va dire 7e ou 8e. Je parie sur 8e. Non, 7e. Je parie sur 7e. Et d'ailleurs c'est Noël demain, non? Faut que je vérifie tout ça. Eh bien les amis, je me suis trompé, c'est le 8e épisode. Vous l'aurez sûrement déjà dit dans les commentaires, mais c'est bien Noël demain. Nous sommes le réveillon de Noël aujourd'hui. Joyeux Noël en avance à vous tous. Je sais pas à quelle heure sort cette vidéo, mais je sais d'expérience que chaque année, le jour du réveillon de Noël, à 14h, eh bien, genre, mes vues, tous les jours pendant les vacances, ce qu'elles font, c'est que, bon, le matin, il n'y a pas beaucoup de vues, tout ça. Là, hop, elles montent, elles montent, elles montent, jusqu'à genre 11h. Après, reste stable. Et à 21h, elle baisse, parce que c'est la nuit. Voilà, ça fait ça. Et bien, le jour de Noël, ce que ça fait, c'est que, pareil, ça monte vers 11h, et dès qu'il est 14h, ça redescend, parce que vous allez tous en famille. Donc, bah écoutez, passez de bons moments avec vos familles. Faites-leur un bisou de ma part. Bah non, 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 c'est le Covid, donc de loin, vous faites... Kirbendo vous fait un bisou. Voilà, de loin, comme ça. Parce que j'espère que vous ne contaminerez personne de ma faute. Donc faites des bisous de loin à votre famille, de ma part, de la part de Kirbendo. Voilà, vous, si vous voulez, vous leur montrer la vidéo en disant la preuve, Kirbendo, il vous souhaite joyeux Noël, enfin, il vous souhaite bonjour et tout. Voilà. Les amis, on va y aller. Juste avant, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Et je tenais à dire un truc, en fait, par rapport au jeu. C'est que moi, j'aime beaucoup le jeu. Mais je pense que je me suis rendu compte d'un truc par rapport à l'épisode dernier. C'est qu'en fait, j'ai moins peur que les autres. J'ai beaucoup moins peur. En fait, pour ceux qui sont vraiment fans de la chaîne et qui ont vu toutes les vidéos, je sais pas si vous avez vu les dernières vidéos sur Ultimate Custom Night, pas les dernières vidéos en fait, mais les derniers lives. Les rediffusions de ces lives sont sur la chaîne Kirbendo Live, tapez Kirbendo Live sur YouTube. Et donc, on avait joué à Ultimate Custom Night. Et vers la fin, vers les derniers lives, je jouais, j'étais à fond dans le jeu, je trouvais ça vraiment cool, je kiffe vraiment Ultimate Custom Night. Mais quand je perdais, je hurlais pas. En fait, j'avais pas peur. J'étais plus, en fait, dans par rapport à enfin, FNAF 1, 2, 3, 4, 5, où t'es vraiment dans, genre, t'es dans une ambiance qui fait peur et tout, c'est stressant. Et bien, Ultimate Custom Night, et même Sister Location vers la fin, j'ai trouvé. Mais pas du tout Freddy Fazbear Pizza, ça faisait toujours très peur. Mais Sister Location vers la fin et Ultimate Custom Night, c'est des jeux où, genre, t'es là, tu peux les aimer, mais en gros... T'as pas vraiment peur en fait. Genre, tu fais des trucs, tu les refais, t'essayes, tu tryhardes, mais ça fout pas la frousse comme avant. Et je comprends ce que certains d'entre vous peuvent se dire par rapport à ça, parce que c'est ce que je ressens aussi sur Security Breach. Mais comme je l'ai dit, pour moi, c'est pas exclusif à Security Breach. Ultimate Custom Night et Sister Location le faisaient déjà avant. Donc, quand je vois des gens dire c'était mieux avant, c'était différent avant, moi je suis pas pour dire que c'était mieux avant, mais c'était effectivement différent avant, mais ça a changé depuis Sister Location je trouve. Hein. Il y a que Freddy Fazbear Pizzeria Place, là je sais pas quoi, la Pizzeria Simulator, qui a refait, je trouve, j'ai retrouvé les vibes de FNAF 1, 2, 3, 4 dedans en fait. Enfin bon, les amis, laissez des pouces bleus et on y va, n'hésitez pas à réagir par rapport à ce que j'ai dit dans les commentaires. Et donc... Je dois partir d'ici. Je sais pas trop où sont les animatroniques. Ah! Il est sérieux? Ok. Ouais, mais en fait, je sais plus où je dois aller. Je serais plutôt de l'avis qu'il faut aller là où il y a Monty, non? Quoi? Je suis pas lost, mais je sais pas où t'es, je sais pas ce qui se passe. Ok. Ouais, tu me finiras pas. Quoi? Qui m'a vu? Bah, personne m'a vu. Qu'est-ce que c'était que ce bug encore? Là, quelqu'un m'a vu! Effectivement, et je pense que je devais aller dans l'ascenseur, non? Eh bien non! Elle m'a oublié? Ah non, elle m'a pas oublié. Je suis où? Comment je sors de là? Ok, très bien. Mais je vais vers Monty, là, non? Bon, vraiment, heureusement qu'ils sont pas très malins. Hein. Elle arrive?
Je peux pas sauvegarder en fait là. Voilà, parce qu'elle est là. Non mais Roxy, elle a aucune vue. Hein. Elle voit super mal. On va dire tant mieux pour moi, mais bon. Alors. Elle m'a vu? Non? En fait, j'ai du mal à savoir si elle m'a vu et qu'elle est juste lente. Ok, va là-bas, très bien. On peut quand même sauvegarder. Parce qu'elle est loin, là. Ok, sauvegardons. Très bien. Et si je choisir... Si je choisis un autre emplacement de sauvegarde? Je sais pas, c'est peut-être mieux. J'en sais rien, hein. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est par là qu'il faut aller, hein. Le level design du jeu est quand même un peu bizarre, hein. Genre, on a du mal à savoir où faut aller. On n'est pas du tout guidé. Et en fait, genre, il y a plein de moments où tu te dis, je devrais... Bah non, bah c'est pas là du tout, en fait. Ah bah oui, non, non, c'était la porte qui était fermée. En fait, j'ai ouvert un raccourci. D'accord. Il y a des caméras. En tout cas, elle est pas en face de moi. Elle est près de ça, c'est là où je dois aller en fait. Ok, elle est là. Où est Monty? En fait, je dois aller en face, je pense. Je pense. Là, je marche derrière elle, hein. Y a pas une porte là? Si. Enfin, un passage. Mince. Non mais. Tu m'as largement vu en fait. Genre. Chica était quand même bien plus maligne. Ok. Mais qu'est-ce que... Mais elle va jamais se barrer d'ici en fait. Regardez, je peux me cacher là, d'accord, si on veut. Mais là, mais oui en fait, elle est là où je dois aller, non? Ah mais pas sûr en fait, pourquoi je devrais aller là? Je comprends pas. Ouais, peut-être parce que c'est fermé en fait. Elle est où? Moi, ouais, il est où mon appareil? Il est là. Bon, tu bouges? Oh, punaise. Elle est relou, hein. Ok, je crois qu'elle est allée là où j'étais. Et à la porte, elle l'entend pas. Ok, je vais par là. Si c'est bien par là qu'il faut aller. Y a pas un petit cadeau, un petit truc? Y a un... Ben, je croyais que c'était un bouton, c'est un donut. Ok, ok, ok. Je ne loupe pas de cadeaux. Heureusement que ces machins, ils peuvent pas appeler les méchants. Hein. Au début, je croyais. C'est pour ça que je les évitais, je restais loin. Ah mince. Ah! Donc, je ne sais pas où je dois aller. Survivez jusqu'à ce que Freddy coupe l'alarme. Mais ça, c'est déjà fait en fait. Ah bah elle va par là. D'accord, très bien. Mais en fait, c'est-à-dire que... Oui, mais... Qu'est-ce que ça m'apporte? Et ça, ça s'ouvre? Non, c'est que eux qui peuvent les ouvrir. Parce qu'en fait, j'étais allé là. Mais là, On est quand même d'accord qu'il n'y a rien.
Il y a une porte qui ne s'ouvre pas. Mais attendez, mais ils ont fait toute cette zone pour qu'elle serve à rien? C'est bizarre de faire des choses pareilles. Ah, il y a un cadeau. Ça sert pas à rien. Mais effectivement... c'est pas ouf non plus. Elle est pas là, très bien. Je suis pas perdu. Mais en fait, si, je suis complètement perdu. Attendez, je dois aller où? Personne ne le sait. J'ai carrément le temps de passer. Allons-y. Non, j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps. Mince. Ouais. Pourquoi on peut pas bouger sur ça? Mais pourquoi on peut pas aller là? Faut que je réessaye. Ok, vas-y, maintenant, barre-toi. Mais on peut rien faire là! Punaise. En plus, il y a plein de décors, mais il y a plein de trucs fermés. Ça, ça commence à m'embêter, en fait, sur le jeu. Le fait qu'on soit pas guidé du tout. Parce qu'en fait, ça se trouve, je suis pas du tout au bon endroit, quoi. Mais le problème, c'est que si je fais demi-tour et que je vais super loin... bah, genre... ça se trouve, ce sera pas bon non plus. Elle m'a vu. Elle va m'avoir. Quoi? Je peux pas me cacher? Non, oh, bah ouais, ok. Super. J'ai regardé mon ancienne vidéo pour savoir ce que je devais faire. Et apparemment, je dois aller au price counter. Je sais pas où c'est. Attendez. Mais il y a un problème. Survivez jusqu'à ce que Freddy coupe l'alarme. J'ai peur qu'il y ait un bug. Hein. Que ça n'ait pas validé ça. Que ça me validera juste pas la suite. Il est où le price counter? C'est peut-être ça. Ok, attendez. Je crois que j'ai une idée. Faut voir où est Monty. Ok. Parce que je pense que ça doit être là. Voilà. Ah ah Comment il a su que j'étais là, le rat? Quand on sauvegarde et qu'on réapparaît, l'endroit des animatroniques, il est changé. Parce que l'animatronique, quand j'ai sauvegardé, il était dans le rond, là. Et maintenant, en fait, il est ailleurs. Pour éviter les softlocks, j'imagine. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? J'ai complètement besoin d'aller là, donc... n'y va pas, quoi, en fait. Alors. C'est la caméra qui est... on sait pas. On sait pas. Elle est où? Ok, elle est là. Mince. Je suis mort. Je vais pas me planquer, je suis mort. Et elle... Il s'est tollé? Quoi? Comment ça? Il s'est tollé? C'était quoi ce bruit? Il a l'air de s'être complètement tollé, hein. Enfin bon, c'est bien, je suis ici, mais je fais quoi ici? Y a rien en fait. Rien du tout. Mais cet endroit peut pas servir à rien. Je suis bloqué. Je suis complètement bloqué. Oh non. Oh non 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 non. Eh ben si. Punaise. Bien les amis, je crois que j'ai un bug dans ma version. Parce que... j'ai dû regarder même une vidéo sur internet. Pour savoir quoi faire.
Et genre, normalement, il est censé se passer un truc quand on va à cette porte. Et moi, il ne se passe littéralement rien. En fait, je crois que ma mission avec Freddy, c'est pas enregistré. Et que je peux pas faire la suite, en fait. Je peux juste pas. Mais je vais pas recommencer le jeu, hein. Mais malheureusement, je vois pas d'autre chose à faire, en fait. J'ai peur d'oublier un truc, en fait, d'avoir juste oublié de faire un truc. Mais clairement, c'est bizarre ce qui se passe, hein. C'est trop bizarre. Le jeu est complètement buggé. J'arrive à aller dans des zones où on n'est pas censé pouvoir aller. Donc je passe au travers des trucs. Super. Ça, c'est dans Sister Location. Chica. En fait, on voit des petites références. Bonnie. Ah, Foxy! Et E2 que je déteste. Mais bon, super. Je vais dans des endroits où on n'est pas censé aller. Mais bon. Disons que c'est pas ça que je veux en fait. C'est certain qu'on n'est pas censé aller là. En plus, oui. Ok. Mais donc, c'est pas ça la solution, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma partie? C'est moi qui. Ok, j'avais jamais récupéré ça, je crois. Si. J'ai loupé un truc ou. C'est moi ou c'est le jeu? Je comprends pas, ça m'énerve. Ouais, vas-y, bye. Ça m'énerve, c'est injuste si c'est ma sauvegarde qui déconne. Mais non, mais sérieux! Mais non! Eh bien, les amis, j'essaye de me faire tuer pour repop. Parce que j'ai mis un point de sauvegarde ailleurs. Je suis parti en fait, je suis revenu. Et en fait, genre, il n'y a plus d'animatronique. Ils sont plus là. Si le bug de ce jeu m'empêche de continuer l'aventure, je vais être un peu énervé. Bon, elle est où? Je l'ai entendue, donc elle doit être là quelque part quand même, non? Punaise. Je vais me faire retrouver par un flic. Et normalement, je vais mourir. Allô? Allô, bonjour, vous êtes où? Vous êtes où? Allô, je suis là, je suis là. Salut, je suis là. Allô? Allô? Hein? Je suis là, hein? Eh oh! Oui, bah venez me tuer, non? Bah viens, allez! Enfin! Non, mais il n'y a même plus Monty ici. Non, mais je crois que ma partie est juste complètement morte, en fait. Donc je dois recommencer. Bon les amis, j'ai repris un ancien point de sauvegarde. C'est bien là où fallait prendre. Ah non mince. Ouais. J'aurais bien voulu un juste avant, en fait. Tant pis. Est-ce que ça a marché? Je sais pas. Ah mince. C'est vrai qu'il peut ouvrir la porte. Ouais. Moi, ce que je veux savoir. Il est pas là? Ah, si, il est là. Je peux y aller. Il m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu. Mince. Ils m'ont tous les deux vu. Ah! Ah! Bah. Ok. Mais en tout cas, ce point de sauvegarde n'est pas bon parce que, genre, la mission, elle est toujours pas validée. Ma sauvegarde précédente, elle est ici. Je sais pas si vous vous souvenez. Hein. Je vais essayer de rattraper. En fait, je pense que j'avais commencé à faire une autre quête et que je devais pas la faire maintenant. Faut toujours que j'utilise le disque sur la cabine d'enregistrement pour activer la scène principale. Mais je sais pas comment on y va. En tout cas, j'ai speedrunné. Genre, je suis allé super vite. Et quand on est dans le couloir, là, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un ou deux épisodes avec Roxy.
C'est un peu n'importe quoi parce qu'en fait, genre, même si les flics nous voient, bah en fait, Roxy, comme elle vient par derrière, suffit de courir, courir, courir et c'est bon, en fait, on s'en sort. Genre, ça a aucun sens. C'est. Le jeu, il y a plein de trucs comme ça qui sont faits bizarrement, en fait. Bon. Ok. Sneak away, little coward. Mince. Elle est là. Mais je peux toujours pas monter, je comprends pas. Peut-être par là? Il y a des escaliers? Là, il y a un escalier. Est-ce qu'on peut? Parce que j'étais allé d'un côté et ça marchait pas. Peut-être que de l'autre côté. Ben non, c'est fermé aussi. Et là? Mais c'est fermé aussi. Quoi? Peut-être l'ascenseur? Parce que je pouvais pas monter. Avec l'ascenseur, je pourrais monter. Mais l'ascenseur, il marchait pas. On avait essayé. Je suis paumé. Hein, vu que il y a l'animatronique ici. Je me dis, je dois peut-être aller par là. Bon, là, elle va me buter. Normalement. Il y a des chances. Je peux monter? Et elle peut, elle. Je crois qu'elle peut pas. Sérieusement? Ok. Moi, je t'ai jamais venu là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Mon Dieu. Je m'attendais pas à la voir. Bon, les animatroniques sont quand même pas très malins. Hein. Mince. Par contre, elle va pas me lâcher. Hein. Et j'ai pas ce que je dois faire en fait. Elle est où? Elle est là. Je sais pas ce que je dois faire. Il y a un bouton sur lequel appuyer, non? Ok. Faut maintenir, je crois. Non, mais c'est pas sérieux. En fait, on joue au loup. Elle m'a oublié? Elle est là-bas. Elle est partie par où? Elle est remontée sur la scène. Ah, pas sur la scène, mais sur le truc de commande. Elle va arriver par où? Mais j'ai des caméras! Oula! Attendez, elle était descendue? Elle était descendue ou c'est qu'il y en a une autre? Mais oui, il y en a une là! Mais attends, elle s'est bloquée de l'autre côté? Elle s'est bloquée de l'autre côté? Comment elle a fait? Bah écoutez, tant mieux. J'ai peur qu'elle puisse passer à un moment. Ok. Moi, je crois qu'elle est bloquée, tant mieux. Je peux descendre là? Non, bien sûr, ce serait trop bien. Donc là, en fait, je fais quelque chose de totalement différent. Oh, Bonnie! J'imagine que c'est bien. Je pense que j'avais grillé une étape, hein. C'est pour ça que le jeu a dû se mettre à bugger. J'avais dû aller à un endroit où j'aurais pas dû aller maintenant. Là, il y avait Roxy, hein. Elle est là-bas? Ben non, c'est Chica. Ouais, c'est Chica, qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça fait ça? Y a Vanny? Qui m'a vu? Elle, mince. Ok. Je suis pas planqué. Attendez, là c'est chaud parce que je sais pas. Je comprends rien de ce qui se passe. Genre,
Il y avait littéralement un effet bizarre sur l'écran. Comme si Vanny était en train d'arriver. J'ai pas compris. J'espère que c'était pas ça. Oh! Stylé! Mince. C'est bon? Ils vont pas nous tomber dessus? What? That moon thing's gonna get me. There, on the wall. Quickly, get to the recharge station. Follow me. Oui, oui. On te suit, on te suit. It's past your bedtime. Oui, je te suis. Mais je sais pas comment le suivre. Il est où? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Mais vas-y, Freddy, avance! Freddy! Freddy! Mais il est bugué lui aussi? Est-ce que je peux pas lui rentrer dedans là? Mais je sais, mais avance! Ah. Ok. J'espère qu'il y a que lui et pas d'autres animatroniques. Mais on va où en fait? Oh, il est là? Oh non, non, c'est quoi ça? C'est quoi? Thank you. Merci. Ouais, je peux passer là ou pas? On sait pas où on doit aller. On sait pas ce qu'on doit faire. On sait juste qu'il y a de grandes chances qu'on meure. What? Punaise, et je réapparais super loin. Bon les amis, après énormément d'essais, parce que j'ai essayé de faire rapidement, et faire rapidement, bah genre, ça fait qu'on meurt. C'est super difficile en fait, genre il y a tous les animatroniques, et même quand tu traînes, il y a Vinny. Donc c'est horrible, ou Vanny, je sais jamais comment on dit. Mais voilà, c'est assez horrible. Donc j'ai réussi à revenir devant la scène après avoir activé le truc. Donc je vais sauvegarder ici. Sauf que moi, ça fait 1h30 que je fais cet épisode. Je vais vous laisser là. Sachez que ce que j'ai fait, parce que je m'étais effectivement trompé, c'est sûr, j'étais à le mauvais endroit, parce que justement, eh ben, ils nous disent c'est bientôt la fin de l'heure, etc. Et donc le méchant Moon doit arriver quand c'est la fin de l'heure. Sauf que, ben, j'étais allé dans plein d'autres trucs, j'avais fait un épisode entier sans que ce soit la fin de l'heure, le temps ne passait plus. Donc effectivement, j'avais complètement sauté une étape et j'avais complètement cassé le jeu. Donc, dans le prochain épisode, on va faire la suite. Mais quand on reviendra aux endroits où qu'on avait déjà fait, je vous passerai. Genre, je le passerai super vite, comme ça, voilà, ça évitera de perdre du temps quand même dans la série. Mais bon, les amis, bah, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça a été difficile à faire. Maintenant, je sauvegarde tout le temps sur un nouvel emplacement. On ne sait jamais. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser plein de pouces de compte et de vous abonner. Ça a été un super cadeau de Noël pour moi. J'espère que demain, ce sera mieux. Allez, salut !